En ces temps de pandémie, tout le monde redécouvre subitement les vertus de la politique industrielle et notamment de la relocalisation des activités industrielles. C'est une prise de conscience tardive, mais c'est évidemment essentiel pour la suite. Et dans ce contexte, moi je vais vous parler d'une usine, Luxfer, dans le Puy-de-Dôme, qui fabrique des bouteilles de gaz. Bouteilles de gaz qui sont essentiellement utiles aux pompiers, aux hôpitaux, qui contiennent de l'oxygène, et on comprend que dans le contexte d'aujourd'hui, c'est particulièrement important. Cette usine, elle appartenait à Pechiney, elle a été privatisée dans les années 1990, et puis parce qu'elle était jugée insuffisamment rentable, l'entreprise prévoit depuis 2 ans maintenant de la fermer, alors que c'est un des derniers sites d'Europe qui justement produit ce type de produit industriel très important. Eh bien, les syndicats, les salariés ont pris une initiative dans ce contexte de pandémie, dans ce contexte où les hôpitaux manquent de masques, de médicaments, d'appareils de réanimation. Ils en appellent à la nationalisation. Eh bien, moi, je souscris complètement à ce projet parce que je pense que nos vies, la vie des Françaises et des Français mérite évidemment plus que les profits. Et il faut soutenir cette initiative, soutenir la nationalisation de cette usine dans le Puy-de-Dôme. Je m'engage, moi, aux côtés des salariés et je vous invite à faire de même.